Coucou à tous, c'est encore Crime. On se retrouve pour une nouvelle et normalement dernière vidéo du CAS de l'extension Chien et Chat, extension auquel j'ai pu jouer grâce à un code d'accès anticipé que m'a envoyé EA. Donc voilà, encore une fois, je les remercie vraiment. Du coup, grâce à ce code, j'ai pu avoir accès à la donne et maintenant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les chats, je vais essayer de faire in-game mon chat que j'ai IRL, donc qui s'appelle Moon. Donc je vais mettre quelques photos d'elle pour que vous puissiez comparer à l'arrivée. Donc c'est un chat de gouttière, hein, c'est mes croisés siamois. Donc elle a quand même quelques particularités du siamois, elle a notamment les yeux très bleus et elle est un peu blanche et grise, donc moi personnellement je la trouve magnifique, mais c'est normal, c'est mon chat. Et on va essayer de la refaire, donc voilà, je dirais qu'elle a un peu le physique d'un chat de gouttière avec le pelage d'un siamois, quoi. Donc j'ai décidé de partir sur un siamois, on verra si on y arrive. Je suis pas très physionomiste de base, mais bon, pour un chat, ça devrait aller, enfin j'espère. Allez, c'est parti. Donc, écoutez, voilà, je vais vous mettre quelques photos de Moon comparées à de Moon IRL face à Moon dans le CAS. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je l'avoue, je ne suis pas très physionomiste, donc il est possible qu'il y ait quand même quelques différences. Mais bon, si vous avez des petits conseils, faut pas hésiter. Moi, clairement, je suis incapable de faire mieux que ça. C'est-à-dire, moi, si un jour je suis témoin d'un crime, le portrait robot, faudra pas compter sur moi, hein. C'est impossible que j'y arrive. Donc, ouais, la seule chose qui m'embête, c'est un peu sa fourrure, mais je peux pas, voilà. Il n'y a pas mi-chemin entre Frolon et ce qu'elle a, donc voilà, je vous mets quelques photos. Je vous mets aussi des petites photos après pour que vous puissiez comparer les deux. Et puis, on se retrouve très vite dans une vidéo de gameplay ce coup-ci. Donc j'espère que ça vous a plu, à bientôt !